Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Ouais, donc là, comme tu peux le constater, premièrement, je te fais une vidéo nocturne dans la nuit. Tu vas me dire, t'es qui? T'es Batman? Ouais, je sais. C'est comme ça. Elle est où ta Batmobile? J'en ai pas. Voilà, donc commencez pas à vous foutre de ma gueule, mais là, on va parler plutôt de la Ligue des Champions et du match incroyable qu'il y a eu entre l'Inter de Milan et Liverpool. Franchement, on va pas se mentir, Liverpool était favori. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont confirmé. Tu croyais quoi? Tu pensais que là, le champion du Sénégal, Sadio Mané, et Mo Salah, celui qui a perdu la finale, ils allaient se laisser abattre par des petits Italiens de l'Inter de Milan qui n'ont plus rien fait depuis 2010. Moi, je ne sais pas ce que Samuel Eto'o a fait à cette équipe, mais depuis qu'il a quitté l'Inter de Milan, il n'y a plus rien qui va. Oh là là, mais vous là, l'Inter de Milan, il faut garder vos attaquants, il faut garder vos joueurs. Oh là 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 là, ça fait mal, hein. Lukaku, il est parti, il n'y a plus de titres. Eto'o, il est parti, il n'y a plus de titres. Et puis, vous faites des cris de singe dans vos stades. Hein, c'est bien fait pour vous. En tout cas, là, moi, en plus, à l'époque, j'étais un grand, grand fan de l'Inter de Milan. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes fait fracasser. Fracasser bien comme il faut. Vous avez bien joué, on va pas se mentir. Du grand crédit à l'Inter de Milan, parce qu'on va pas se mentir, revenir au top du niveau Ligue des Champions, c'est pas donné à tout le monde. Et là, ils ont pressionné Liverpool. Liverpool, ils ont eu chaud. Hein. Oh là là, les Red Devils, les Diables Rouges. Je sais même pas si c'est eux qu'on appelle Diable Rouge. Tu connais les Anglais, ils aiment bien donner des surnoms de malades. Tu vois, les Anglais, ils sont là, on parle de foot. Oui, ils mélangent tout. Diable Rouge, Ange, je sais pas quoi, Tuffies. On s'en fout. En tout cas, tout ce qu'on a pu voir, c'est que l'Inter de Milan était complètement dépassé parce qu'ils se sont fait piéger. Ils ont mis la pression pendant 1h20. Et après, ils ont dit, bon, les mecs, on est fatigués. Parce que Liverpool, quand même, en matière de pression, c'est compliqué, tu vois. C'est pas comme une orange ou une clémentine. Tu presses et après, il y a du jus qui sort. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu presses les Sadio Mané et les Mo Salah, eux, ça les rend encore plus dangereux. C'est ça que t'as pas compris. Là, en plus, ils ont ramené Firmino. Firmino, il marque plus depuis je sais pas combien de temps. C'est contre l'Inter de Milan qui vient, il plante. Oh là là! Quelle malchance. En tout cas, grosse force à tout l'Inter. Parce que j'oublie pas, hein, j'étais quand même un fan de l'Inter. Après, il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai quitté le navire. Mais en tout cas, grosse force. Vous êtes éliminés, on va pas se mentir. Vous allez vous faire exploser là-bas, à Anfield. C'est mort. Avec leurs fans qui chantent pendant 1h30, vous croyez que vous allez pouvoir faire quelque chose, vous, les petits Italiens de l'Inter de Milan? Hein? Votre entraîneur, c'est le frère de Inzaghi, hein? C'est pas le vrai Inzaghi, hein? Oh là là, y a rien qui va. Changer d'entraîneur, changer de sponsor, changer tout. Eh ouais, mon frère. Envoyez tous vos meilleurs joueurs au Paris Saint-Germain et arrêtez de faire les malins, là. Fermez le club. Soit c'est l'Inter, soit c'est l'AC Milan. Choisissez. Comment ça, y a l'Inter? Et là, c'est Milan. Eux tous, là, ils jouent dans le même stade. Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour Los Angeles Clippers et les Lakers? Allez hop, rentrez chez vous.